Numéro 399, et nous lirons dans Psaume 46, verset 1 et 2, et la lecture nous sera présentée par Job Darius. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Je connais un pays. Par-delà les ciels bleus, où tous les bienheureux seront beaux près de Dieu, dans le bois pour parfait le séjour, la vie sans la plus belle des cuillères de douleur. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un palais dans la sainte cité. Plus il est va et de félicité où Jésus est entré. Depuis longtemps déjà, et dans cette toute vie, mon Dieu tout ira dans la maison où je serai bientôt, rien et tout plaira plus. Un rivage où la gagne plus, où tout est plein de paix, car le port c'est Jésus, aucun flot menaçant n'a t'a le racheté dans le ciel, le sabri loin du monde. Agité dans la maison, l'amour où je serai bientôt, y a des troubles, plaira plus.
connaît. Et quand il entonné dans le ciel, c'est le chant de l'agneau qui est si joyeux, au sublime harmonie, au glorieux, et très fort, bientôt j'ai l'entendrai qu'il est de l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existe. Gardons la même position et nous faisons la première prière. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, comment ne pas te remercier pour ton amour, pour ta grâce dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Seigneur pour avoir été avec nous depuis ce matin et jusqu'à cette présente minute. Nous sommes encore vivants. Que ton nom seul soit béni, loué, exalté, magnifié de toute éternité. Tandis que nous te demandons, Père, de bien vouloir nous assister, de bien vouloir nous conduire, de bien vouloir nous garder. Pendant les minutes que nous aurons à passer ici, nous te demandons, Père, dans ton amour, dans ta grâce toute puissante, sois présent au milieu de nous, au nom de Jésus, nous te prions ainsi, lui qui vit et qui vient au siècle des siècles. Juste avant d'écouter, Michel Sondésir, la biographie du défunt, vous allez écouter tout d'abord un chant spécial qui vous sera présenté par Chantal Curet. Et ensuite, un morceau instrumental qui nous sera...
mourir, l'équité, vêté, avec plusieurs mamans. Dans ce sens, à nous, c'est un gros jeune gens qui nous aient, même un bon planeur. À nous, c'est rêvé, jouer en pile. Il y a un titre qui dit, les bons pour vivre sans Jésus, mais pas mourir sans Jésus. Si ça fait, à nous, avant de dernier tiré souffle, il était d'accord de mettre tiré ça, par mon Dieu. Dame non. Il est bon pour mourir sans mon Dieu, mais il n'est pas bon pour vivre sans lui. C'est pour raison ça qui fait à nous ce pas dernier tiré ça, par mon Dieu. Moi, pensé côté à nous coucher, il sentit bien parce que rêve lui, c'était mourir avec Jésus. Malgré l'été pour grand. Il y a un monde qui a assisté à l'enterrement là. À nous, en tant que un haïtien qui était au camp, qui remet Jésus la vie. À nous, c'est un bon exemple pour tout le monde. Dans qui sens, les bon pour mourir sans Jésus. Les bon pour vivre sans Jésus, mais les pas bon pour mourir sans Jésus. Bon Dieu baille, bon Dieu prend, que l'homme à nous reposer. En fait, merci à tout le monde, amis, famille, mon pasteur là, qui vient nous rendre à nous le dernier hommage. Merci. Avant sa mort, vous êtes révélé intelligent. Ah ouais? Si quelqu'un qui est plus intelligent, qui annonce pas, il va se là. Puis c'est avant de mourir, il remettre la ville, qui est. Ah oui, il est intelligent, lui. C'est vraiment intelligent. Intelligence que. À nous te gagner, on t'a remé intelligence à l'épapillé à travers toute famille. Ah oui, faut nous vivre pendant nous-mêmes, nous vivons là. L'histoire, alors, hérite cet héritage qui te gagne là. Il est pas mon premier, il est pas mon deuxième. Deuxième, il est plus bon, et libre dans tout droit. Ah ouais, il est plus bon. Maintenant, nous sommes arrivés à vous au moment où on doit écouter le ministre circonstanciel qui nous sera présenté par l'ancien Nelson Mandela. Mais juste avant de l'écouter, vous allez pouvoir écouter la lecture de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, qui nous sera faite par notre sœur. Mais juste avant d'écouter l'homélie circonstancielle, vous allez pouvoir écouter deux chants spéciaux. Premièrement, c'est Gertrude. Chef Gertrude. Et ensuite, Frère Job. Darius. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout pour la lecture. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la pas peur de la mort, si la vainque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons sur l'autre bord.
Mesdames, messieurs, monsieur le commissaire de la ville de Gonaïves, maître Sarah Gazius, parents et amis endeuillés, au nom du corps pastoral de l'église adventiste mise par le Pont-Sondé et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter les sympathies les plus sincères. La mort de notre chair reste et demeure un moment douloureux et difficile à surmonter. Dans son poème intitulé Hymne à la liberté, le grand écrivain haïtien Antoine Dupré a déclaré, et je cite, par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa vertue, le citronnier perd son fruit. L'homme naît pour cesser d'être. L'homme naît pour cesser d'être. Que vous soyez puissant ou faible, riche ou misérable, servant ou ignorant, vous êtes tous sujets à mourir un jour. Victor Hugo déclare, la mort n'est tout autant que le refrain de la vie. Pour ne pas dire comme l'autre, vivre est une chanson, mourir en est le refrain. Et Salomon, de sa part, déclare vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Vanité, des vanités, tout des vanités. La vie sur cette terre est courte. Prenez le temps pour aimer vos semblables. La vie est si fragile. Ne passez point votre temps à haïr les autres. Mais essayez de semer l'amour là où vous déposez des pas. Mesdames, messieurs, chers amis, en cette pénible circonstance, j'aimerais soumettre à votre méditation le premier psaume de la Bible, soit le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. De nos jours, il y a un peu de monde qui comprend que le monde qui est méchant, c'est le monde qui appelle le coup de coude, c'est le monde méchant. Et à tel point, on va dire l'église jusqu'à présent qui a fait discrimination, qui a fait
aller. Au contraire, je dis, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bons, je suis venu pour les gens qui ne sont pas bons. On sentait que si on ne pense pas trop pour aller dans le ciel, on ne peut pas venir Jésus. Jésus, c'est un qui ne pas bon, qu'il a besoin. Et Paul déclarait qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit l'autre là, c'était bon quoi? Et on met madame Mounou là dedans, soyez. Je dis à mon situation, mais dis maintenant, quand on est qui est pasteur, qui a pris madame Diane, et pasteur, ça comprend qu'il n'y a pas faute à l'intérieur parce qu'il y a des bons quoi, déjà. Comment ça, il n'y a pas ça? Le son premier me dit, mais quel son est un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et pas seulement dans mon bon couteau pour attaquer mon méchant. Mais le monde qui vient à l'église, vous faites photo de manière reste là. Vous voyez aller, être là, venir. Vous prenez le manger à madame, vous êtes méchant. Vous n'êtes pas des méchants, vous. Je vous dis, c'est pour nous comprendre que Christ ne parle pas des monde qui vient chuter dans l'église. Mais la Bible dit le mort en Christ. Vous pouvez mourir sous chair, ami, pour nous boucher, vous pouvez mourir dans Christ. Quand on a fait ma dégrée, je suis chef. Des belles costumes sur vous. Pasteur tel, pasteur tel. Non, c'est pasteur tel. On dit qu'on punit le monde. Cependant, manger à dormir la carrière voisine à demi bas. Qui est méchant? Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Méchant, c'est tout le monde qui a fait ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi je ne dis pas qui est méchant, parce que moi, je ne dis pas qui est méchant. Je ne dis pas qui est méchant. Je ne dis pas qui est méchant, pourtant, il y a des gens qui ont fait, et il y a des gens qui ont fait. Voilà pourquoi je suis dans l'église. Tu peux te mettre au dehors. Nous parlons au mal, nous gardons au mal. Je suis malade parce que pas madame Etel, il n'y a pas de gens qui visite, il ne peut pas des gens méchants. Et l'homme qui ne marche pas, c'est le nom conseil. Et nous savons pas que nous marcher sur le conseil méchant, sur une autre dimension. Il dit, vous parlez de la chita, bon côté méchant. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Nous comptons vous dire au frère action et au là. Il y a un peu de fois chita dans l'église et dans le temps méchant à chita parce que c'est méchant qui a dirigé. Jésus te dit au bagage, nous ne comprenons pas. Dans Matthieu 7, 21, il dit, c'est pas tout le monde qui a dit, Seigneur, Seigneur, tu n'es qu'à m'entrer nous, mais c'est le monde qui fait volonté. Et pour Aougan, en bonne mourir, il fait monter mon Dieu dans le ciel. Affaire salut, c'est affaire de Jésus. Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Là, on doit à qui est-ce que tu dans mon temps, je suis avancé. Pour dire qu'il y a l'église, là on doit être qu'on marche. Il dit qu'on seul bagaille, conscience. Il dit, ouais, nous-mêmes qui là, nous là pour ça nous faire. Mais monsieur, il est innocent, oui. Et puis il dit, Jésus, là, il veut nous avoir moi, changer moi. Il dit, oh Jésus même, tu seras avec moi dans les vacances. Donc c'est pour ce que vous j'étais là, on va juger, pour condamner vous sans conscience. Il n'y a qu'à être micro, non mais, t'as fait mon petit examen pour 500 gouttes, oui. Et vous donnez vous c'est comme juger le monde pour méchant. Attention, attention. Je dis, si le fait l'évangile, on fait l'évangile, nous pas capables à faire discrimination parce que Jésus pas connu vous ces personnes. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Et même les hommes de mon qui dit que pasteur, si deux païens viennent marier, je ne pas faire marier le païen. Bon, avant quoi j'ai mon invité péché, viennent marier ou marier. Égal, ils sont. On doit faire là. Bon, avant quoi j'ai mon invité qui dit frère. Parce que mon n'a pas grossi, ce qui font si mon, disait, en signe de son, c'est vrai que mon nom de la gloire, il dit, mon ça, je vais vous consacrer au Seigneur, priez pour lui, avant qu'à prier pour lui, lorsque l'on péché. Regardez, la Bible déclare l'âme qui pêche est celle qui mourra. Parents, vous êtes gros malfaiteurs et vous même servez Jésus sauvé. Vous ne pouvez pas condamner les gens parce que parents ne sont pas mariés. Les gens ne pas dépendre de tête. C'est naissance que les prend. À sorte que l'homme qui pêche est celle qui mourra. Mesdames, messieurs, chers
manifestation de la vie. Et vous suspendre vivre ou mourir, ça c'est la définition de repère. Cependant, Paul qui a l'autre dimension, Paul déclare la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Et même pour la dire qu'à tous ont péché. Donc nous sommes tous sujets à la mort. Ce qui est important, Baldo, après-midi, c'est comment on va mourir. Comment on va mourir. Et le fait que, frère Son, qui campait là sous chair, l'idée de mon bagage qui parle de manque de fait, pendant que tu traverses la rue, on machine pas les frappes. Et bien, mourir, pas de te confesser, frère Son, a bien bien enterrement de l'église. Mon avou, il y a un peu frère Son. On n'a pas bel discours pour Nelson, mais pour Nelson, pour Nelson, il m'a voulu être dans l'église, il m'a sauvé. C'est moi dans mon bord pour qu'après avoir été des machines, mais le pas mourir tout de suite, ils font quiche l'hôpital. Et pendant ce cas, on a dit Seigneur, pas pour nous, Seigneur. Moi, je connais, on pas digne, on n'a pas fait mal qui mal, on n'a pas fait volonté. T'as pour la vie, nous, Seigneur. Ou à saisir le bon conseil à sauver, pour Nelson, pas sauvé. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça qui fait important, après hier, Moïse déclarait les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus obis à 80 ans. Donc, frère Arnaud est arrivé 24 ans, c'est un béni l'éternel. Si on est en pays, on arrive 24 ans, même si on a vu tout le bagage, on est des bénoyés. Soutien que vous nous avez apporté dans cette épreuve. Nous vous remercions de tout cœur. Par votre présence à nos côtés, vous avez été de très grand réconfort dans ces moments douloureux. Un mot reçu, une oreille attentive et une main tendue sont les seules armes véritables permettant d'affronter cette disparition. Mais cette sensation d'être soutenu, et accompagné nous a aidé à affronter ces moments douloureux. D'un cœur sincère, nous n'avons pas de mots pour exprimer nos sincères remerciements à la direction de l'Église Adventiste du 7e jour, Mitzvah de Fonsondé. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Je marche avec bonheur vers la maison du Père et vers la demeure où va le Seigneur. Vers la maison du Père et vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand c'est que passe, toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Au bon offrant de la vie. Merci pour présence qui était là depuis le commencement jusqu'à la fin. Moment arrivé côté dépouille mortelle là pour aller dans la demeure respective. Et nous demandons, on va aider nous-mêmes qui encore vivants pour que nous soyons capables de faire volonté. Parce que nous, chaque qui là, nous va connaître qu'il est là pour mourir. Et on dit, on va venir tant qu'on est voleur. Et ça fait l'important. Depuis je dis à vous, nous préparer. Nous ne connaissons qui j'en ai mis à pied. C'est jour, nous, c'est lui qui compte. Aidez-nous, Seigneur, nous-mêmes qui encore vivants, pour nous accepter ou pour nous faire volonté. Pour que les trompettes va sonner, nous va parmi le monde qui va rencontrer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Soit avec chacun de nous, béni famille ça qui en deuil, nous va sécher l'eau dans les yeux. Et sans mi qui devine assister, nous va permettre que tout bagage est capable de faire. Selon volonté, nous pouvons prendre ça au nom de Jésus. Thank you.
Thank you.